Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu l'aéropresse, comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est très pratique, très facile. Donc là, j'ai le corps de l'aéropresse qui ressemble à une grosse seringue. Je vais avoir ici des filtres en papier, une cuillère doseuse, un touilleur. J'ai pris un récipient, là, j'ai pris un pichet, ça peut être une mug. Chose indispensable, un moulin. Là, j'ai pris un petit Ario Mini Mill. L'important étant toujours d'avoir un café fraîchement moulu. Et évidemment, le café. Bon, comment ça marche? Vous allez voir, c'est très simple. Je vais commencer par prendre une cuillère donc, de café. Donc là, l'occurrence, c'est du Guatemala Finca El Bosque, que je vais commencer par moudre. Donc là, ça va prendre 30 petites secondes. Donc voilà, hop, donc là j'ai mon café moulu. Donc je vais utiliser donc mon pichet. Hop, je prends un filtre en papier que je dispose dans le porte-filtre. Je verrouille, je fais chauffer de l'eau. Évidemment, je viens mettre mon café que je viens de moudre. J'ajoute mon eau, là je vais l'ajouter jusqu'au niveau 2. Je mélange pendant 10 secondes. Et c'est prêt. Vous avez vu, c'est très rapide. Enfin, après, pas tout à fait. Je prends la deuxième partie de ma seringue et que je mets dessus. Doucement. Et donc c'est prêt. Donc vous avez vu, très facile à utiliser. Gros avantage, c'est pour le nettoyage. Je dévisse. Je continue à pousser. Et j'ai ma mouture qui est ici. Très facile à nettoyer. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à déguster. Voilà comment faire un café en aéropresse très facilement, rapidement. Et surtout, très bon.